Bienvenue, bienvenue dans ce live sur Borderlands 2, troisième partie. Je suis le tavernier et accompagné fidèlement par mon ami. C'est là qu'il faut que tu parles. Ah oui, alors moi c'est Magnétoine. Je suis enchanté d'être avec vous. Non, je rigole. Je suis super content d'être avec vous ce soir et on va faire du Borderlands 2. C'est ça? Tout à fait. Allez. Nous allons reprendre notre partie là où nous l'avions laissée. C'est-à-dire dans. Niveau 50. Niveau 50, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Niveau 50. Comment ça, vous avez rien vu? 7? Oh. Non, vous n'avez pas vu. Niveau 7, c'est des bêtises. Vous voyez mal. Vous voyez très mal. On a fini le jeu, oui. Achetez des lunettes. Je refuse. Il refuse, d'accord. Donc, quand Magnéto me refuse, on ne peut qu'acquiescer. Donc. C'est sorti du vocabulaire, mon cher ami. Et oui. À 23h30, c'est ce qu'on adore. Donc. Allez hop. Allons trucider du Skag, allons trucider du Majociste avec leur masque. Ils ont des bons masques. Je sais pas comment le décrire en fait. C'est pour ça que je suis un peu. Donc, pendant que notre Mayton est en train de mourir, pendant que son PC est en train de décéder, je cherche le chat du live afin de pouvoir causer tranquillement avec vous. Blablabla. Pourquoi ne veux-tu pas venir, chat? Ah, ça y est. Je ne te vois point. Tu ne me vois point? Pourquoi? Car tu n'es pas connecté. Car je ne suis pas... Eh, effectivement! Voilà! Ça arrange tout. Voilà, je suis connecté. Ah bah du coup, tu m'as fait tout briller. Bravo, t'es avalé. Ah bah... Excuse-moi. Bon, pendant ce temps, on va viquer toutes les boîtes, toutes les munitions, tout ce qui sort à nous, comme ça, il n'aura plus de quoi tirer. Ah, c'est le petit coquin. Ah, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Eh, vous êtes quand même témoin que... S'il y a des merdes sur ce live, ça vient toujours de la même personne, hein. Que dalle. Les viewers n'attendent pas. Dépêche-toi. Ah, qu'est-ce que nous avions comme arme? Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es toujours pas connecté. Mais si. Mais non. Ah, je suis en hors ligne. Pourquoi? Mais non. Qui fuyais-tu? Mais oui, je suis en ordre. Voilà. Allez, bon choix de partie. Ça vient toujours des mêmes, le problème. Oui. Allez hop. Tu vois que pendant que je galère à me connecter, tu te roules dans la neige. Mais oui. C'est comme ça que tu travailles. Tout à fait. Alors. Tout à fait. C'est bon, tu es enfin arrivé. Je suis enfin arrivé. Donc, c'est parfait, nous allions continuer la mission principale. Le meilleur sbire du monde. Donc, Claptrap est parti en direction du capitaine Fleet afin de le défier et de le tuer. Et nous, on l'accompagne. Parce que c'est pas nous les héros de l'histoire, c'est Claptrap, évidemment. Mais si c'est nous les héros de l'histoire, nous sommes héros à la fin. Donc, il faut continuer là-bas. Oui. Je me suis trompé de touche. Moi aussi.
suis habitué à d'autres jeux en ce moment. Du coup, ça, c'est la question. Il joue à Warband, le pauvre. Oui. Du coup, on a moins de barres à feu dans Warband. Effectivement. Oh, des bonnettes. Donc, Claptrap devrait se trouver non loin d'ici. Attendez juste une seconde. C'est juste que vous ne devez pas très bien entendre notre ami Maïtom. Mais je suis caché, c'est pour ça. Voilà. Voilà, voilà. Et oui, parce que. En vie coquin, je gardais le micro de mon côté, donc. Voilà. Excusez-moi de cette petite attente. On est reparti. Ça va ? Que. T'as pas l'impression de tout prendre pour toi ? Non. Ouais, petit voleur. Bon, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Oh. Tout de même, j'ai vu ce sniper, mais je sais pas viser avec. Tu sais où je suis encore, hein. Ah. Oh, ah. Des armes. Ouh. Ouh. Ah, je veux venir. Ouh. Hey, regarde, vois-tu, c'est sur ce baril que tu dois venir. Tu dois sauter sur ce baril. Voilà. Oh, il est arrivé. Mais il y a tout en plus. C'est pas grave, je joue pas au flingue. Attends, mais je sais plus, j'ai même pas vu ce que c'était. Voleur. Oui, Mike. Oui. Alors. Claptrap. Et ça s'ouvre. Je te dois quelques explications. Le poney en diamant. Ah, merde, c'était du bruit. C'est un cheval, en fait. C'est très sculpté. Et il est tout couvert de. Tu sais quoi, je vais le chercher. Étalon du cul. Viens dire bonjour. S'il est pas magique, le beau Jack. Je déteste ce boss. Premier boss. Que j'aime pas. Balancez la sauce, les mecs. Boum boum. And this burger. Pew. Bon, je propose en stratégie que nous fonctions et détruisons tout ce qui vient sous la main. Mal. On a Vroom. Il est où, Vroom? Il est derrière. Ouh, il a mis de la baffe. Yeah. Et il mine en Vroom. Je vois plus Vroom. Il est où, Vroom? Vroom. Arrête de fuir. Tu es à moi. On a perdu Vroom. Oh, il est malade. Je crois qu'il me vise. Les meilleurs l'air. Wouh. Heureusement que je te couvre. Merci de m'avoir couvert, mon cher ami. De rien. Alors. Oh, il y a des boucliers ici. Allez, pourquoi tu veux pas prendre, choisir ? Oh, on balance les grenades déjà, j'ai oublié. G. Avec C ? G. G. Effectivement. Saloperie de porte verrouillée. Ah,
C'est moi qui aurai le canon. Allez, c'est pour les viewers, bien sûr. Toc toc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Allez. Ouais, je l'espère. Ah, c'est la grosse Bertha. Oh, tu as un marauder qui tombe par derrière. Ça vient encore. J'ai raté mon tir là. Mais pas celui-là. Voilà. Ils sont tous morts. Oh non, que c'est triste. Je les aimais bien. Hein. T'as deux pistolets si tu veux. D'accord, ça se vendra très bien. Tu vas rire. Il se peut que j'ai quelque peu fomenté une mutinerie contre le capitaine Flint avant la glaciation express. Ce qui explique que ces gars me cassent la figure. C'est ça, les gars? Ta gueule! Ok! Oh, le méchant! Ah! Il est tellement magique, la trappe. Bon, qu'est-ce que j'ai compris? Je bourrine et toi tu snipes. Ben ouais, t'as tout compris. Je suis en mode de soutien. Et moi en mode bourrin, pour changer. Attrape un nouveau sbire. J'avoue que l'autre petit tas de merde me manque. Les bruits qu'il a fait quand on lui a foutu le feu. J'en pleurerai. Capitaine Trinita. Bon, ben je fais ce que je sais faire de mieux. Hein. Oh merde, je crois que c'était des munitions, mais non, c'était des mitrailleuses. Oh, oh, je crois que j'ai fait une erreur avec mon bonhomme. Punchline. Ici le capitaine Flynn. On n'a toujours pas retrouvé mon claptrap. Ce petit salopard a réussi à s'enfuir. Et c'est Eaton qui me sert de bonhomme à torture. Pauvre Eaton. J'ai oublié une caisse d'armes, mon ami. Ah. Je vais arriver après. Ah, je vais dans le tas pour moi. J'aime bien sa façon de compter les heures. Certains parmi vous demandent pourquoi je boucle ces messages préenregistrés. Voilà la réponse. Un trou fer rouge dans ton œil. Tu comprends mieux que la frappe. Je crois qu'il en veut à Claptrap. Ah oui, il en veut. Charmant petit amour de pêche ici. Ah oui. Ah, un point de sauvegarde. À mon avis, ça va piquer.